Une minute. À ce qui paraît, il n'y a pas de Salut. son. Ah. Je vois dans le chat. Mais cause. Okay. C'est bon, c'est C'est bon, c'est bon, bon, normal. c'est bon. Bon. Alors, c'est bon, vous nous entendez? Donc, Oui, OK. tout le monde, ok. Bon, alors, comme je vous disais, on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Furlan ce soir. Donc, Jean-Marc, comment vas-tu? Ça va, oui, ça va très bien, merci. Ah non, ça va très bien dans cette période très difficile pour tout le monde. Je te remercie, ça va très bien. Je vous remercie. Non, c'est On nickel. croise les doigts. La famille, ça va. Bon, voilà, ça va. Bon, tu es un joli petit polo de la JO Auxerre. Bon, on ne va pas dire Ah ouais, j'ai dit. qu'on Attends, hey, les gars, on va parler foot. Donc, tu veux tous a. les polos. Parce qu'attends, le président, il m'a dit, ah bon, ce soir, tu as un truc. J'ai dit, mais comment vous savez ça? Mon président, Francis Gras, il est toujours sur Twitter et tout ça. Oui, alors. Comme il va peut-être, s'il regarde, s'il me voit, je dis pourvu que je mette le truc parce sinon il va me critiquer, tu vois. Bon, et te vexe pas, hein. Tu as vu que Leandro, il en a un rouge avec un autre cube, un petit club du Sud-Est, là, tu sais, un club Nîmes que tu aimes bien, Moi, mais attention, je voilà. suis très contrarié. J'ai joué 2 ans et j'ai joué 2 ans à la paillade, donc je suis très contrarié. Non, Non, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, à Nîmes Olympique, comme je lui disais tout à l'heure, j'ai des amis, et là-bas, au Nîmes Olympique, j'ai des amis. J'ai mes amis boissiers, comme je te disais, je les adore. Je les adore. D'ailleurs, on leur passe le bonjour, hein, s'ils sont par là, on ne sait jamais. Ouais. Donc, Ouais. on va expliquer le principe de l'émission. Donc, ici, on va vous poser quelques questions. Donc, et dans le chat, surtout, n'hésitez pas, dites-nous. Alors là, je vois qu'il y a plein de messages. T'as plein de Ouais. messages d'amour à Jean-Marc. Des cœurs, des bisous, coach. On t'aime, Jean-Marc. Voilà. Donc. Ah, c'est gentil parce que en général, les coachs, on se fait pas mal défoncer quand même, les gars. Parce Ouais. que tout le monde a sa vérité. Alors, si tu vois que je me fais beaucoup défoncer, me le dis pas trop quand même. Non, t'inquiète. Non, franchement, non. non, c'est Que beaucoup des faux d'amour là. messages. T'inquiète, t'inquiète. Bon, Jean-Marc, raconte-nous un petit peu comment tu vis déjà. On va commencer, tu vois, on va commencer des débuts, tu vois, on va commencer par la fin. Donc, à Auxerre, ton quotidien là, comment tu es? Là, tu prépares un gros match d'ailleurs. Ce week-end. Oui, on a une période qui est un peu plus difficile pour nous parce qu'on a eu novembre et décembre, les joueurs ont eu la capacité de faire une série de 100 défaites très importantes. Et là, on est un peu plus dans le dur pour concrétiser. Et il se trouve que dans cette période où on est un peu plus dans le dur pour concrétiser des résultats, on joue tous les gros. C'est-à-dire les deux meilleures équipes du championnat de Ligue 2. Dans plein domaine, Clermont-Ferrand et Troyes, on les joue là, on joue Troyes samedi, et aussitôt on enchaîne avec le TFC, avec Toulouse, qui est aussi une équipe où il y a qui fait des belles performances, il y a des très bons joueurs. Donc ça fait que on vient de jouer Grenoble, donc ça fait qu'on a tous les gros là sur 3 semaines, un mois, et en plus en coupe, on reçoit l'OM. Voilà. Donc, mais sinon, ça va. On a un bon groupe. Cette année, ça va beaucoup mieux que l'an passé, parce que l'an passé, c'était beaucoup plus difficile. Mais ça va, oui, ça va. Je vous remercie. Bon, Ça après, va. je te rassure, Voilà. je pense que les adversaires aussi doivent se dire que jouer au Serre dans la même période, je pense que vous êtes autant redoutés que vous ne les craignez à eux, quoi. Je pense qu'il n'y a pas photo. Oui. En plus, Oui, moi, je pense aussi, parce que quand tu es la JA en Ligue 2, comme je dis à mes joueurs, on doit se montrer au-dessus parce que il y a le poids de l'histoire dans ce club. C'est un peu comme si tu vas il y a des clubs qui ont des histoires très 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 fortes, très lourdes, et c'est le cas. Les joueurs doivent s'élever parce que tu as le poids de l'histoire et tu es vraiment une cible quand même. Quand tu es dans ces clubs-là, tu es une cible parce qu'il y a le poids de l'histoire. Tu transportes avec toi le poids de l'histoire aussi. Tu vois-tu? Ça, c'est important. Et il faut être Leandro, au-dessus à cause de ça. tu as une question pour Jean-Marc? Oui, bah, je pensais que tu voulais commencer, mais attends. Vas-y, parce que là, je vois qu'il parle, on parle d'Auxerre, je sais que tu en avais une avec. Ben, moi, j'en avais une avec du coup Mickaël Le Bihan. Parce que du coup, moi, je voulais savoir comment elle s'est faite cette connexion. Parce que du coup, c'était un joueur qui était un peu en galère ces dernières années. Et puis cette année, il fait une saison fantastique. Puisque du coup, 19 buts en. Non, 14 buts en 19 matchs. Je crois que son record, c'était 18. Enfin, comment ça se fait du coup
qu'il a redécouvert le chemin du but, comment ça se passe au quotidien avec un joueur comme ça, qui en plus du coup a été deux fois joueur du mois, si je ne me trompe pas. Écoute, j'ai des problèmes parce que j'ai très mal entendu, ça a beaucoup coupé. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai eu du mal à comprendre ta question. Donc, je sais pas, c'est peut-être aussi de mon fait ici. Mais vous m'entendez bien là ? Ça va mieux ? Vas-y. Ça va mieux ? On entend normalement. Bon, du coup, ce que je voulais demander, c'était, puisque Mickaël Le Bihan, moi, c'est un joueur qui, du coup, cette année, explose avec vous à Auxerre. Parce que, du coup, il est à 19 matchs, 14 buts. Et moi, ma question, c'était comment ça se fait, du coup, que vous avez réussi à redémarrer la machine, puisque, du coup, bah, ces dernières années, malheureusement, il n'était pas très performant. Comment ça se fait ? Puis, en plus, il a été deux fois joueur du mois, je crois, c'était ça. En fait, j'ai bien compris que tu voulais parler de Mickaël Le Bihan. Mm-hmm. La question, je n'ai pas compris la fin de la question. J'ai bien entendu que tu mm-hmm. me disais que, bon, là, il avait claqué 14 buts. Mika, il m'a loupé un pénalty à Grenoble. Non, je ne vais pas lui rappeler ça parce que s'il regarde, il va péter un câble. Il va péter un câble, le mec. Non, alors la fin de ta question, c'était quoi, Andro, dis-moi un peu. Non, mais c'était du coup pour savoir comment ça se fait que vous l'avez redémarré, du coup. Ah, voilà. Donc là, par contre, là, c'est très, très, très bien marché. C'est bien, okay. Mika est un très, très bon avant-centre. Mm-hmm. Mais il se trouve que, c'est vrai, il est donné en saison à Nice. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de blessure, mais c'est quelqu'un qui développe beaucoup de force devant et qui est un buteur. Moi, je le savais depuis longtemps parce qu'on le suivait depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui avait fait peu de matchs par saison. Et là, cette année, il va certainement battre son record de matchs. C'est vrai aussi que je leur demande d'être très, très, très souvent présent au terrain, à l'entraînement. Et du coup, on a le sentiment qu'il a franchi un palier cette saison, alors que c'est vrai que les dernières saisons, il avait joué très très peu. Et d'ailleurs, c'est exact que c'est un des points d'ancrage, entre guillemets, les plus importants de notre équipe, mm-hmm. avec Mathias Sautrette. Et c'est vrai que si, par exemple, si nous manquait Mika, ça poserait de gros problèmes pour pouvoir continuer à concurrencer les gros. Vois-tu, mais c'est surtout, je crois, entre guillemets, la somme de travail qui a pu franchir des paliers. Si je veux répondre à ta question, si ça te répond à ta question. Ouais, mais c'est nickel, c'est nickel. C'est le volume de travail qui en a beaucoup augmenté chez lui et qui lui a permis, il se sent beaucoup mieux. Il est en confiance. Ouais, ouais, même s'il est très chiant, j'allais dire un gros mot. Mais il ne faut pas que je dise de gros mots, parce que mon président m'a dit « Ne dis pas de gros mots, hein, parce que tu dis souvent des gros mots. » Bon, il est quand même, avec Autrette, très lourd à porter, le mec. Si le président nous regarde, on lui passe le coucou, bien sûr. Oui, je ne sais pas si regarde, je suis exprès, parce qu'on ne sait jamais. Demain, il va me dire « Ouais, tu dis des gros mots, il faut arrêter. » On a pas mal de réactions sur le chat. Tu les relèves, Saut ? Tu y vas ? Ouais, bien sûr. J'en en prends une par une. Là, j'en ai une. Avant, j'avais une petite question. Parce que moi aussi, il faut que j'en profite. Vas-y. Alors, actuellement, avec Auxerre, puisqu'on nous a dit dans le chat, il faut dire Auxerre. Auxerre. Mais bon, Auxerre. C'est Léandro, les gars. Hein. Mais non, non. Et ouais, les gars, je sais pas. Je le défends puisque moi aussi je disais Auxerre. Alors, c'est comme Metz, on ne dit pas Metz. Et attends. Et tu sais l'histoire, Lando. Écoute. Moi, quand je suis arrivé à l'armée au bataillon de Joinville, à Paris, et il y avait des Messins et il y avait des Auxerrois. Mais là, maintenant, je ne fais pas le X et tout. Et quand j'arrivais, moi, mec du Sud-Ouest, comme je disais, chocolatine et pas pain au chocolat. Et à la boulangerie à Paris, la femme, elle n'a jamais compris la chocolatine. Il a fallu que je montre du doigt. Bon, et bien là, c'est pareil. Quand je suis arrivé à l'armée au bataillon de Joinville, et je disais Auxerre, tout le monde se foutait de ma gueule. Je dis pourquoi ? Et nous, dans le sud-ouest, on dit tout. Hein. On dit le X, c'est comme tu vas à Metz, tu dis pas le T, il ne faut pas le dire. Voilà, c'est vrai, tu as raison. En plus, on en parlait pendant la dernière émission. Le pain au chocolat et chocolatine. Et la chocolatine, ouais. On va pas repartir sur le débat, sinon on va partir sur des arts. On fait pas, c'est une émission de foot. Non, attends, Lano, attends, et c'est une émission de foot. Mais attends, c'est pareil, quand moi, à Paris, j'arrivais à Clairefontaine et je leur disais les drôles, et chez nous, on dit les drôles, c'est les gosses.
Et je disais les drôles, les gens, ils me regardaient tous à l'armée, les mecs, ils me disaient, qu'est-ce qu'il dit, lui? Le pire, tu sais que c'est au Québec. Quand on dit les gosses, au Québec, les gosses, c'est les roustons. Hein. c'est pas des conneries. Hein. Oui, ouais, parce que ça arrive un pote à moi, qui gardait des gosses, des enfants là, l'été. C'était des Québécois. Mais vous inquiétez pas, je vous garde les gosses. Vous voyez, on est comme ça. Ouais. Les gosses, c'est les roustons. Mais bon, ça, c'était pour les gosses. Hey les gars, je vous ai appris un truc ce soir. Vas-y, Sofiane. Oui, donc avec Auxerre, vous êtes la meilleure attaque de Ligue 2, je crois, pour l'instant. Oui, c'est ça. Je vous avouerai que je regarde pas trop. Déjà, je regarde pas trop la Ligue 1 pour commencer. Donc, la Ligue 2, j'essaye de regarder un petit peu. Non, parce que j'ai un ami qui est pour Auxerre. Donc, Auxerre. Ah, je l'ai eu. Pour Auxerre. Donc, je lui passe un petit coucou. Il s'appelle Anthony. Il est fan d'Auxerre. Je voudrais savoir, cette façon de jouer, cette façon d'aller toujours vers l'avant, est-ce que c'est un coach ou quelqu'un qui vous a inspiré de avoir cette façon de jouer, en fait? Parce que on ne le retrouve pas en Ligue 1 ou en Ligue 2, généralement, cette façon de jouer. On a beaucoup de mal à retrouver dans les sports collectifs français parce que, tu veux, nous, l'interprétation qu'on a depuis tout temps du sport, c'est l'aspect comptable. On a ça dans le sang des Français. Et si tu vas jouer aux Pays-Bas ou en Allemagne, c'est surtout l'aspect jeu, amusement, divertissement, comment tu prends du plaisir, comment tu donnes des émotions. Et moi, j'ai toujours été éduqué dans le football. Et je pense aussi, quand je discute avec mes copains du rugby, ils me disent un peu c'est pareil, c'est le même truc, dans l'idée comment tu gagnes, comment tu prends des points. Et comment déjà tu ne prends pas de but, tu vois, par exemple, foot. J'ai été élevé aux Girondins, très british. On avait la mentalité très british. Et c'était l'idée de combat, l'idée de lutte et de ne pas prendre de but. Mais ce qui me fascinait, d'une façon instinctive, c'était le football du FC Nantes à l'époque, de Suodo, de Nouex. Et puis, quand j'étais gamin, à 13-14 ans, avant de rentrer au Girondin 15 ans, moi, j'ai été complètement impacté par l'Ajax Amsterdam et le football hollandais. Ah, ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le football espagnol a revécu. Moi, j'ai cru voir mourir le football espagnol de combat, de lutte et de violence. Ils ont failli à mourir. Et quand les Hollandais sont arrivés avec Hiddink et Cruyff, eux, ils ont tout copié là-dessus. Et moi, j'étais beaucoup, beaucoup influencé par tout... par le football, parce qu'en plus, comme j'étais un défenseur et un destructeur, parce que j'étais quelqu'un à l'époque, nous on était deux joueurs au marquage individuel, comme quand tu es au cirque au quai sur glace, on appelle ça les killers. Donc, moi au quai sur glace, et moi je faisais partie des deux killers marquage individuel. Et même à la fin de ma carrière, je disais à mes entraîneurs, on peut passer en zone. C'est Arrigo Sacchi qui est passé le premier en zone dans les années 90, mais moi j'étais un des killers comme il y avait dans chaque équipe. Et du coup, quelque part, j'étais très frustré de voir les attaquants s'éclater et tout ça. Et du coup, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que j'étais comme joueur, mais complètement à l'opposé. D'ailleurs, il y a plein de copains qui me le disent. Ils me disent qu'ils jouent contre moi ou comme ça. J'en ai rencontré plein qui viennent me voir et me disent « C'est pas possible, Jean-Marc. Mais comment est-ce possible qu'il y ait une telle opposition dans ce que tu étais comme joueur ?» Et ce que tu es comme entraîneur, parce que c'est véritablement, effectivement, ma vocation. Je pense que, parce que tu sais, j'ai vécu aussi, je suis allé jouer à l'Olympique Lyonnais une fois, et à l'Olympique Lyonnais, j'arrive, et moi j'avais l'esprit bordeluche, bordelais, combat, c'est la guerre. Et là, chaque fois qu'on se déplaçait, je dis là, on va en prendre deux, on va en prendre trois. À l'Olympique Lyonnais, on a fini 5 ou 6e du championnat, en Ligue 1. Mais j'étais avec Tigana, Moisan, Chiesa, Xureb, tous en équipe de France. Et eux, ils te disaient, non, Jean-Marc, t'inquiète pas, même si on prend un ou deux buts, on va mettre 3 ou 4. Et ils le faisaient. Et là, j'ai passé 2 saisons où j'étais léger, mais léger. Je me sentais bien parce que quand tu claques des buts, t'es beaucoup plus léger, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, quand t'es défenseur, tu y participes aussi. Parce que, comme dit Pep Guardiola, si tu veux claquer des buts, il faut que tu aies des très bons défenseurs qui relancent bien. Et c'est vrai que c'est profondément ma vocation.
Et d'ailleurs, j'ai failli ne pas venir à être entraîneur parce que je savais que j'étais complètement en opposition avec ça. Et c'est Aimé Jacquet qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Tu passes le diplôme. Tu viens et tu passes. » Il m'a obligé. Il m'a dit « Tu viens. » Et bon, mais j'ai dit « J'y vais. » Parce que c'est le bon, c'était le DTN. C'est le bon, j'y vais. Mais que j'étais tellement en opposition quand j'étais au FC Libourne, je me disais « N'y va pas, n'y reviens pas dans ce milieu pro. » J'ai fait 20 ans de joueur professionnel. J'ai dit « N'y reviens pas, c'est pas ton style. C'est pas ton style. » Et puis, j'y suis allé quand même, voilà, puis voilà. Voilà. Mais je n'ai pas changé d'idée, moi, c'est toujours la même idée. C'est toujours, quelque part, par rapport à ce que tu nous racontes, tu es et tu as toujours été, en fait, pour moi, c'est ça que j'aime dans ta façon de coacher, c'est créateur d'émotions. Mais tu avais ce besoin de création d'émotions, même quand tu jouais, parce que c'est vrai que tu étais plutôt... Alors, j'allais dire... Boucher, c'est un peu dur. Allez, charcutier, on va dire. Et tu étais un petit peu... Et tu crées de l'émotion. Bon, c'était plus de la douleur et des pleurs pour les attaquants adverses. Mais tu as toujours eu ce besoin de créer de l'émotion. C'est beau, quand même. Mais que supporter bordelais, que tu étais dur sur l'homme. Oui. Et justement, comme quoi... Non, mais on était... j'ai dit responsable, mais pas coupable. C'est comme quand tu éduques tes enfants. C'est que nous, on était éduqués comme ça. Et comme moi, j'étais... un poste d'arrière central, j'étais pas un libéro, j'étais un stopper, et même si j'étais quand même, j'avais des qualités techniques indéniables, parce que à part l'équipe de France A, j'ai fait toutes les sélections, mais j'étais dans ce rôle-là à l'époque, et même moi, en fin de carrière, je disais à mes entraîneurs, comment on passe en zone, parce que je voulais prôner ça, parce que voilà, mais où tu as raison, c'est que au-delà du beau football ou du beau rugby, le sport, c'est comment tu crées des émotions et que tu crées une très forte identité où les gens ont envie à la fois de participer, aller voir des matchs parce qu'ils sont d'accord avec ton discours, parce qu'ils sont d'accord avec ton jeu, parce qu'ils ont envie de, parce qu'ils se disent on va avoir, tu sais, c'est pareil que nous au foot souvent, moi j'allais des fois voir Zizou à Bordeaux alors que j'étais entraîneur à Libourne, et je dis à mon fils, tu sais pourquoi je viens? Il y avait Bicente qui jouait. Et je disais, je viens, on vient que pour lui, là. Alors, il était tout petit, il ne comprenait pas. Parce que, si tu veux, il était créateur d'émotions aussi avec son talent, tu vois ce que je veux dire. Et donc, au-delà du beau, de l'esthétique, c'est comment tu crées des émotions et que les gens ont envie de participer à ces émotions-là, tu vois, et qu'ils ont envie de rentrer dans le stade. Et ça, c'est le deuxième sens très profond que je donne à ma passion. Ok, merci. Alors, juste, je vais dire deux, trois petites questions qu'on a sélectionnées. Alors, il y a AgeNet83 qui dit, alors Jean-Marc, à quel point tes premiers succès à Libourne ont façonné ta vision et, tes préceptes de jeu? Non, tu sais, il faut répondre, il faut que je lui dise que, en fait, les joueurs le savent. Ce ne sont pas les succès à Libourne, c'est ce qu'on vit ensemble en communauté avec le groupe. Moi, j'étais très, très heureux à Libourne, ce qu'on a vécu. Et plus le temps passe, plus quand je revois les gens, ils gardent ça en souvenir, les matchs Olympique Lyonnais, les matchs de Rennes, Stade Rennais qui sont venus. Par rapport à ce que... C'est surtout qu'est-ce que je transmets à mes garçons, à mes joueurs. Et comment je leur apporte quelque chose qui leur fait du bien, qui leur fait plaisir, où ils ont envie de participer parce qu'on va être audacieux, parce qu'on prend des risques, mais pas juste sur un coup ou sur deux coups. Non, c'est la philosophie profonde. C'est comme un artiste, si tu veux. C'est pas forcément les succès de Libourne qui m'ont impacté, c'est pas du tout ça. C'était profondément dans ma... D'ailleurs, je n'avais pas envie d'aller à le milieu professionnel. J'avais envie de rester à Libourne, à CFA National, parce que je me sentais complètement en décalage avec le discours de ce que j'avais entendu quand je faisais les formations, ou que mes copains, mes amis entraîneurs, que j'aime beaucoup, tenaient les discours qu'ils tenaient. Parce que c'est pas du tout, je ne m'y retrouvais pas, alors que je les adore. Je ne m'y retrouvais pas. Donc, je ne voulais pas être professionnel. J'ai dit, je vais être complètement en décalage. Et puis voilà, Aimé, il m'a dit, va là-bas. Et ouais, donc, j'ai passé un cap. Mais ce n'est pas forcément les succès de Libourne, même si ils sont ancrés. Et surtout, ce qui est ancré, c'est les amitiés que tu gardes avec tes joueurs. C'est-à-dire comment les joueurs
se sont reconnaissants. Ça, par contre, c'est le deuxième sens que j'ai à ma mission, c'est comment les joueurs kiffent à l'idée que tu les coaches. Tu vois ce que je veux dire ? Ils kiffent. Parce que, et malgré le fait que je leur dis que normalement, ils devraient coucher au stade, ils rentrent juste faire des câlins à leur chérie le soir. Ils reviennent. Si c'est moi. Ils me disent non, coach, non. Comme Marcello Belsa, tu vas faire les préfabriqués au stade pour rester vivre tout c'est le temps. Ça. Voilà, c'est ça. Comme Marcello, voilà. Exactement. Et d'ailleurs, ils ne sont pas trop d'accord. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à la reconnaissance, moi, pardon, ouais, juste avant de passer aux autres questions, parce qu'il y avait un truc qui se greffait par rapport à ce que je voulais te dire. Moi, il y a deux anecdotes qui m'ont marqué, que j'ai lues, que tu as racontées. C'est une Benjamin Nivet qui a gardé ses deux derniers maillots, un pour son père et l'autre pour toi. Et de l'autre côté, Blaise Matuidi qui t'appelle papa. Et j'avais noté comme question, est-ce qu'elle n'est pas là la plus belle reconnaissance qui soit ? Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai la plus belle reconnaissance de ça, pour moi en tant qu'entraîneur, ce que tu viens d'évoquer, c'est totalement le sens que je donne à mes... J'ai reçu un courrier de mon capitaine de Brest, un courrier de deux pages, quand il a signé Gaëtan Bello au Paris FC, qui m'a ému aux larmes, au même titre que Benjamin Nivet, quand il m'a remis son maillot avec le courrier. Parce que, si tu veux, c'est vraiment le sens que j'ai dans la mission. C'est comment, effectivement, tu apportes quelque chose. Comme dit, il y a un manager américain qui dit « Un bon coach peut te changer le jeu. Un très grand coach te change la vie. » Mais c'est un peu ça, tu vois. Et comment j'apporte. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement quand les joueurs, quelque part, kiffent à l'idée de ce que tu peux leur apporter sur le plan du football, ce que tu peux leur apporter sur le plan de la vie. C'est une fois, j'étais avec Brest, on va à Strasbourg, une anecdote, et il y avait un joueur qui jouait arrière droit à Strasbourg, Eric Marester, que j'avais formé à 3. Et il nous avait mis 4 à 1, ils nous ont mis 4 ou 4-0, je ne sais pas, j'avais des boules, bon, peu importe. Et Eric, il vient après le match, il joue à Stras, il vient après le match, il m'embrasse. Et un journaliste, il lui dit, comment ? Il avait des journalistes autour, toi, tu embrasses le coach parce qu'il t'a laissé gagner 4-0 ? Il le regarde d'une façon très agressive, il dit, non, j'embrasse le coach parce que j'ai fait une carrière, c'est grâce à lui. Voilà. Et donc ça, tu vois, c'est très fort quand tu es entraîneur, et ça vaut tous les salaires ou toutes les reconnaissances des journalistes ou des présidents, tu vois, c'est ce qui me plaît le plus, quoi, voilà. En plus de donner des émotions au public, tu vois, voilà, c'est ces deux trucs qui font ma passion. Vas-y, ah, parfait. Alors, il y a Biki 30 qui nous dit, question pour Monsieur Furlan, quel est son meilleur souvenir en tant que coach? Ah, c'est difficile de dire ça parce que je vais faire des jaloux. Tu vois, si vous en avez plusieurs, ça peut. Oui, j'en ai beaucoup. Être... Parce que tu sais, quand tu vis à Brest et que le peuple breton est complètement en fusion avec moi, et je ne l'avais jamais connu, que le peuple breton m'amène des cadeaux de 7 à 77 ans, des filles, des garçons, et qu'ils sont complètement en fusion avec moi, et que quand je vais en ville, ils me disent toi, tu es breton, avec mon accent de Bordeaux. Et toi, t'es un breton parce que t'es comme nous, t'es un sauvage. Ah bon? Il me disait toujours ça. Et t'as ça qui est merveilleux. Et donc, on va en Ligue 1. Après, il y a aussi tout ce que j'ai pu connaître avec les joueurs, de très, très fort. Les fêtes qu'on a pu faire, voilà, que ce soit avec Méli Bournet, Régis Castan, Pascal Thèse, voilà, je vais inciter Mehmet Berkouche, Lilian Astier, qui sont encore des amis profonds, et puis aussi les Troyens. Donc, tu sais, je pourrais inciter beaucoup, où à Troyes, on est monté 3 fois, tu vois, et dire d'une façon exclusive quel est le meilleur endroit, le meilleur souvenir, ça ne serait pas juste, ça serait complètement injuste, parce qu'il y a tellement de choses qui te reviennent. C'est comme quand tu es à Libourne et que... du bal olympique et on est en coupe, qui venait de faire quart de finale de Ligue des Champions à United. Et tu es 1-0 et moi je suis comme ça, à moitié KO, je suis dans le vestiaire. Il y a mon papa qui n'est plus là maintenant et qui est parti juste pas loin après. Et il était en face de moi, il me regardait comme si j'étais un extraterrestre et il pleurait. Donc, tu vois, et c'est des émotions fantastiques ça. On était tous les deux dans le vestiaire, tout le monde faisait la fête dehors, on n'était que tous les deux. Moi j'étais à moitié KO, j'ai dit mais
t'es pas dans un rêve, tu te dis, t'es ailleurs, quoi. Hein. T'as battu 1-0 Régis Castin qui met une frappe des 30 mètres en pleine lucarne, et tu dis, et mon papa qui me regarde, comme si j'étais un extraterrestre, il voit un extraterrestre et qui pleurait, tu vois. Donc c'est des émotions très très fortes qui sont un peu partout dans ta vie, quoi. Et puis aussi les émotions humaines avec les joueurs qui sont très importantes. Je pourrais en raconter pas mal. Je pourrais faire un livre. Justement, avec tant d'anecdotes et avec tant de vécu, t'as jamais pensé à faire un livre? Je pense à si, mais j'ai jamais été à l'école, je ne sais pas écrire. Non, si. Tu sais qu'il y a des gens, des journalistes qui sont venus pour me proposer, mais ça déconne, je suis que Jean-Marc Furlan, ça va. Je suis pas Guardiola ou je sais pas qui, moi, ça va. Non, mais c'est vrai que, par contre, sur le plan humain, raconter un peu, il y a des histoires qui sont, nous, avec les footeux, qui sont à pisser aux culottes. Hein. Parce que le footeux, tu sais, il y a des mecs, ils arrivent de partout. On arrive de tous les milieux, des cités et tout. Et du coup, plus rusé, plus malin, c'est difficile. Tu sais que nous, quand j'étais joueur, moi, au Girondins, tu sais avec qui j'étais le plus, on était toujours le plus lié, c'est avec les joueurs de rugby de haut niveau. On était toujours ensemble, ils nous collaient en permanence. Parce qu'ils étaient toujours morts de rire, tu vois, de ce qu'on avait. Ils étaient toujours collés à nous, Et on était très amis avec eux. Contrairement à ce que le peuple français pense, c'est que nous, dans le Sud-Ouest, on est très, très proches et très liés avec les gars du rugby. Et ils nous collent toujours, toujours. Tu vois, c'était sympa pour ça. Parce que si tu veux, avec les footeux, à la fois, on a plein de défauts, mais à la fois, tu as beaucoup d'anecdotes à raconter. Ah, ça. On n'a pas tous un cerveau complet. Hein. Comme disait mon père, il disait à ma mère, t'as pas laissé le cerveau du petit à la maternité, il me disait toujours. Donc, on a encore pas mal de réactions. Ouais, on a beaucoup, beaucoup, les gars. On ne pourra pas toutes les lire, mais les gars, envoyez-en et puis on va essayer d'en faire au maximum. J'en ai une petite dernière, après je garderai les autres pour tout à l'heure. Alors, c'est une petite question rigolote. Hein. Il y a Ajaboy58 qui nous dit « Coach Furlan, où est donc la casquette ?» C'est la marque de Furlan aussi. Alors, et tu sais quoi ? Il y a mon chien, il m'a bouffé toutes mes casquettes. Et, la casquette, en fait, ouais, je la mets parce que il y en a des casquettes. Attends, je vais chercher. Non, mais t'embête pas. Voilà. Mais attends, la casquette. Mais le problème, c'est que mon chien, il s'amuse à me bouffer ma casquette. Donc, tu vois, j'en ai une là, si tu veux. Il s'amuse à me les bouffer, tu vois. Et là, donc, il les a toutes bouffées, regarde. Je te jure, c'est grave, grave. Voilà, il y a une question aussi de Cafou. Alors, Cafou, c'est François Caffarel, ancien joueur de Bastia, qu'on salue, qui est dans le chat. Il nous dit, coach, à quel niveau vous situez l'importance de la formation aujourd'hui? Est-ce que les clubs pourraient s'en passer? Non, en France, c'est ce que a créé. Tu sais pourquoi on a été deux fois champion du monde? À mes yeux, il y a deux personnes qui ont été des vecteurs de ce réussite. Ça s'appelle Georges Boulogne et Fernand Sastre. On a eu un président de la fédération avec Fernand Sastre. Et Georges Boulogne a initié donc les centres de formation, et surtout le président Fernand Sastre a été sur le plan politique absolument fantastique. Et on doit, et je ne suis pas le seul à le penser, des gens de ma génération comme Michel Platini le pense aussi, on doit à Fernand Sastre nos titres et le fait que nous ayons, nous les Français, les meilleurs joueurs du monde. Il faut savoir qu'à la dernière Coupe du Monde à Moscou, vous devez le savoir, il y avait 48 joueurs nés en France formés dans un club français. T'entends bien ? 4 sélections. 48 joueurs français, alors qu'on est un petit pays de 70 millions d'habitants, alors que les dernières, nous, c'est le Brésil. D'ailleurs, ils sont quand même, je crois, 300 millions ou 180 millions. Quoi, voilà. Mais donc, les initiateurs de ça, par les centres de formation, les Allemands nous ont copié, les Belges nous ont copié, les Anglais nous ont copié, parce qu'on a initié ça. Et du coup, grâce aussi au sang mêlé et à notre politique générale, on a les meilleurs joueurs, on a les meilleurs joueurs du monde. Mais la formation, elle est à la fois très importante,
Et on doit, mais contrairement à par le passé où il y avait 5-6 clubs qui le faisaient, maintenant, il y a une très très forte concurrence. Mais ça passe aussi, je trouve, moi, par encore plus de travail que ce qu'on a connu, que par rapport à ce qu'on a connu. Où on avait, nous, il y a, dans les années 80-90, il y avait une somme de travail qui était absolument colossale. Mais il faut dire très sincèrement que, en plus, nous, on a des joueurs de qualité et exceptionnels, vraiment. Du coup, il y en a tellement que aussi, ben, ça dépend où on va, il y en a des plus ou moins, de plus ou moins forts. Mais la formation est très, très importante, oui. Ça, c'est ce qui nous a permis à nous d'être deux fois champions du monde. Et d'ailleurs, regardez, on est le deuxième pays au monde à transférer, entre guillemets, le plus de joueurs français à l'étranger. Quand tu discutes avec des entraîneurs étrangers, ils te disent, nous, on kiffe, alors que nous, ici en France, on se casse les burnes avec eux parce qu'ils sont chiants, parce qu'ils ont entre guillemets le tempérament Frenchy quand ils sont chez nous. Par contre, dès qu'ils vont, les mêmes gars, quand ils vont en Allemagne, en Angleterre, en Belgique ou en Hollande, les mecs ou en Italie, ils les kiffent tous. Ils disent les Français, c'est top. Ils sont disciplinés, ils travaillent dur, c'est top. Et nous, les Français, on se fait chier avec nous, Français. Non, je dis ça parce que je les chambre, parce que. Ils sont toujours en train de pleurer, donc je les chambre. Voilà, c'est tout. Et justement, au sujet de la formation, moi j'avais une question qui va avec, je trouve. Tu as une tendresse, toujours, j'ai remarqué, quand tu as l'évocation un peu de la nouvelle génération, qu'on qualifie parfois, tu sais, d'ingérable. Et si tu veux, pour un entraîneur de ta génération, c'est finalement assez rare. Parce que c'est souvent, tu vois, les gens, les entraîneurs de ta génération qui vont souvent dire « oui, c'est plus pareil qu'avant » et tout ça. Et moi, ce que je trouve chouette avec toi, c'est toujours cette tendresse que tu as à l'évocation de cette nouvelle génération. C'est comme si c'était tes gosses, quoi. Enfin, ouais. Tes enfants. Non, mais tout à fait ça. Mais il y a tellement qui pensent que je suis leur papa. Ma femme, elle se dit « qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Entre Franck Grandel, Eloge Nzayamissi, Eric Marester et les autres, ils ont tous. C'est mon père, ils disent. Donc, Et voilà, pour toi, les générations, c'est une connerie. Moi, quand on te dit que la nouvelle génération, elle est ingérable, c'est une grosse connerie, on est d'accord. Non, c'est une grosse connerie. Ils sont beaucoup plus faciles à gérer que nous, on l'était, je te le dis. Quand tu avais un mec comme moi entre les mains, t'étais mal, je te le dis. Ouais, ouais, et puis maintenant c'est tellement cadré qu'il y en a un paquet qui sont virés. Moi, une fois, il y a un entraîneur que j'ai adoré quand je suis arrivé à Bastia, que j'ai adoré, on était amis, mais quand je suis arrivé pendant 8 jours, il faisait que nous crier dessus. Il criait, hurlait. Dès que je suis arrivé, j'étais là depuis 8 jours au Sporting. Je le raconte des fois à Pado, mon adjoint qui est de Loury, Haute-Corse. Et Antoine, il criait sur tous les corps, sur tout le monde, il nous criait dessus. Des grossièretés dessus. Alors moi, je me suis approché, j'ai dit, écoutez, voilà, on va faire un truc, monsieur. Vous avez deux choix. Ou vous me faites jouer, ou vous ne me faites pas jouer, d'accord? Mais vous ne me parlez pas et vous ne me criez pas dessus. Vous la fermez. Donc, vous ne me faites pas jouer, je m'en bats les couilles, mais vous ne m'adressez pas la parole. Du coup, il a arrêté de me crier dessus. Donc, je te dis sincèrement, par rapport aux jeunes maintenant, moi, je dis que, voilà, je dis, ils sont beaucoup... Alors, ils ont aussi ils ont leurs défauts, mais ils sont beaucoup plus brillants et beaucoup plus intelligents qu'on était nous. Et ça, c'est fantastique. Intellectuellement, d'ailleurs, les centres de formation, pour ça, ils sont très formateurs sur les études et tout ça. On est très brillants. Les centres de formation du football français sont très brillants sur les études. Et du coup, moi, je dis, non, les jeunes, je dis qu'ils sont beaucoup moins cons qu'on était nous, hein. Et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus. Et de ce point de vue-là, autant sur le plan du football, certains, comment je vois, comment ça évolue, j'aurais des trucs à reprocher sur leur formation stratégique et tactique. Et comme disait Ariko Saki, tu as une différence entre le très 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 bon footballeur, très bon footballeur, et le très bon joueur pro. Deux différences, des trucs. Parce que le très bon footballeur, moi, Libon, j'en avais. Qui savent faire du freestyle et tout ça. Mais le très bon joueur pro, c'est quelqu'un qui est très efficace. Alors autant, sur le plan stratégique et tactique, je leur demanderai autre chose. En revanche, sur le plan intellectuel, sur le plan du respect humain, sur le plan de la vie au quotidien, non, il n'y a pas photo. Hein. Nous, à côté de nous, il n'y a pas photo. Ils sont beaucoup plus
brillant et beaucoup plus que nous on l'était. Faut être honnête, voilà, c'est tout. Après, il faut s'adapter aussi, les gars, à la jeunesse. Et c'est à nous de nous adapter. C'est pas, faut arrêter les conneries, c'est pas nous les mecs de 50 ans, 60 ans ou 70 ans qui allons être l'avenir, c'est eux. Donc comment je m'adapte à eux? Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, ils ont du mal ils ont beaucoup de mal à s'adapter à moi aussi, parce qu'avec toutes les bêtises que je leur dis. Toute la journée, ils disent coach. Vous avez des questions, les gars? Ou on reprend les questions? On en a plein, mais je pense qu'il vaut mieux continuer avec celle du chat. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a énormément. Allez-y. Alors, j'en ai sélectionné encore quelques-unes. Alors, une qui va titiller aussi Nando. Alors, est-ce que les Girons... Alors, de Nobo33. Je pense que je l'avais, cette question, mais... On fait plaisir au chat avant tout, bien évidemment, avec des très bonnes questions. Donc, alors, est-ce que les Girondins vous ont approché dans le passé pour entraîner les Girondins? Ouais, alors, c'est une question qui, quelque part, a été un tournant dans ma vie. Parce que quand je pars de Troyes, j'étais beaucoup plus jeune, en 2006-2007, et donc j'étais très en vue comme jeune entraîneur, et il y a l'OM qui m'appelle, mais il y a Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, je vais à Strasbourg d'ailleurs signer, qui me contacte depuis déjà 15 jours ou 3 semaines, et ils me font une proposition de contrat. Ils sont venus me voir à Troyes, et du coup je leur ai dit, bon, je ne signe pas votre contrat, mais je vous promets que je viens chez vous. Et du coup là, l'OM était dessus, mais là Monsieur Trio m'appelle. Et il me dit, Jean-Marc, tu rentres à la maison. C'est fini. Alors, il m'appelle, mais le problème, c'est que j'avais déjà donné mon accord verbal, et d'aucuns autour de moi me l'ont reproché, cette attitude. Mais M. Trio m'appelle, il me dit, c'est quand qu'ils prennent Laurent Blanc, ils ont bien fait, ils ont fait 3 titres. Mais voilà. Donc, il m'appelle, et il me dit, tu rentres à la maison. Tu dis à Strasbourg que tu rentres à la maison, que c'est fini. Mais j'ai dit, Jean-Louis, je ne peux pas faire ça. J'ai donné ma promesse. Et comme je suis un homme de parole, eh bien, je ne suis pas allé au Girondin. Mais du coup, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me l'ont beaucoup reproché. Mais attends. Tu aurais dû dire, c'est pas grave, on ne va pas à Strasbourg, on va là-bas. Jean-Marc, c'est tout à ton honneur. Moi, ça, je respecte et je trouve que c'est très chouette qu'il y ait encore des gens qui fonctionnent comme ça. Mais bon, même si ça me fait chier, parce que moi, j'aurais adoré que tu viennes chez nous. Mais attends, c'est pas fini. Tu sais ce que je... Ça te dirait pas, là, un petit, de reformer le duo avec lequel t'as gagné la Gambardella, là, avec un certain Monsieur Blacard qui partirait à la formation comme ça, avec Jean-Marc Furlan au club? Ça serait une belle chose, ça, quand même. Vous avez gagné la Gambardella ensemble, là, en 76. Oui. On a gagné, ouais, on a été reçu par. C'était génial parce que Claude Besse avait repris le club, et là, aussitôt, et premier centre de formation, avec le directeur du centre André Menot, qui était un ami, Bernard Michelena et Piero Stupar, entraîneur des juniors. À l'époque, on appelait ça les juniors. Et on avait une équipe de tueurs à gages. Oh, pom, 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 pom. Et devant, il y avait Blacard et Saliné. Et tu te rends compte qu'on va taper Nantes en quart de finale, qui était la plus belle équipe. On les tape chez eux et on va à Nice, qui était la deuxième plus belle équipe. Alors, et on les tape chez eux. Voilà l'équipe de Branque qu'on était. Et je me rappelle toujours, parce que Claude Bess est très, très fier, parce qu'il commençait à lancer le club. Et du coup, il nous avait fait recevoir par M. Chaban-Delmas. Oui, ça serait... ouais, tu sais, les Gigi, je vais te montrer un truc. Attends, je vais vous montrer un truc, les gars. Puisqu'on est tranquille, et vous le montrez à personne. L'attaché de presse de Brest, qui lui est du PSG, et quand je l'appelais, quand c'était Gigi PSG, il me disait, je lui dis, on va te niquer, Nico. Il me disait, non, on va vous mettre la Tour Eiffel. Bon, je ne dis pas où. Il me parlait mal. Et lui, il m'a offert ça un jour. Je lui dis toujours, moi, j'ai le scapulaire sur la poitrine. Voilà ce qu'il m'a offert. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la commune bordelaise qui...
qui y pense et qui y pense tout le temps et qui y pense depuis un moment. Moi, j'ai même déterré des tweets à moi que j'ai fait en 2014, 2015, où j'espérais que même là, que tu allais venir au club. Bon, écoute, t'es encore des belles années devant toi. Et puis, voilà, on ne sait jamais ce que dira l'avenir. Mais, mais bon, moi, en tout cas, je nous le souhaite parce que je pense qu'au fond de toi, il y a un petit truc qui te ferait plaisir. Moi, je voulais poser une question. Après, que tout à l'heure, j'ai vu passer dans le chat. Et bon, c'est un peu moins joyeux, mais du coup, c'était pour demander, parce qu'avec cette période de Covid, du coup, il y a de nombreux clubs qui ont été touchés. Et du coup, on sait qu'il y a pas mal de matchs, notamment vous, du coup, qui avez joué contre Châteauroux. Je crois qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient été touchés par le Covid. À Auxerre, on n'a pas autant eu de cas que dans les autres clubs de Ligue 2. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce que vous dites aux joueurs? C'est quoi le protocole? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un vrai discours permanent. D'abord, déjà, nous, on a eu, donc en début de saison, on a été très pénalisés parce que d'abord, on a pris 6-7 joueurs et ensuite, on devait jouer contre les Girondins, mais on a eu 3 Covid. Donc, le match amical, on ne l'a pas fait contre les Gigi. Et on avait aussi un match juste avant contre Dijon. Eux, ils avaient 3 Covid. Donc, et non, moi, ça nous a ralenti dans notre progression. Sur le plan technico-tactique et du jeu, ça nous a beaucoup ralenti en début de saison. Et nous, c'était un peu, entre guillemets, rigolo, c'est que les 3 Covid qu'on avait, ils étaient asymptomatiques. Alors, ils gueulaient, je te dis pas. Quand je les appelais, ils disaient « Mais non, j'ai rien, coach, on n'a rien, on vient, mais t'as rien, mais t'es positif. Ouais. » Donc, nous, ce qu'on fait, d'abord, dans le discours, beaucoup, on les impacte beaucoup dans le discours. Moi, je les impacte quasiment toutes les semaines et beaucoup dans le discours pour qu'ils soient prudents, vois-tu. Ensuite, j'ai aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup évité les longs repos. Tu vois, les longs repos volontairement. J'ai fait ça pour cette histoire de Covid. Au lieu de faire 2 jours ou 2 jours et demi de repos, on ferme un jour. Et donc, ça leur évite de bouger beaucoup, vois-tu. Et ensuite, ce qui se passe, d'abord, il y a certainement le sérieux des gars. Il faut quand même aller dans leur sens, le sérieux des garçons. Puis aussi, nous, on fait un test PCR tous les 3 jours. Hein. Et c'est très rare dans les clubs, je pense, qu'ici, notre actionnaire, M. Zou, avec M. Gras, ils ont été extraordinaires avec l'hôpital. Ils ont beaucoup, beaucoup donné à l'hôpital, mais beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, le directeur d'hôpital me l'a dit, qui est un fan de la GIA, il a dit « Moi, je dois beaucoup à la GIA ». Et du coup, nous, on arrive à faire, et on paie pour ça, mais on fait un test PCR tous les 3 jours. Alors peut-être aussi que ça nous permet aussi de dévoiler plus vite, vois-tu, même si je ne suis pas un spécialiste, mais je t'explique ce qu'on vit. Maintenant, il y a aussi certainement une responsabilité individuelle des joueurs qui est importante, vois-tu. Mais ce que je fais aussi, sur le plan stratégique, si tu veux, il ne faut pas le dire, éteins le poste. Éteint tout, c'est que j'évite de leur donner les vacances. Ah bah ouais. Comme ça, pas de long. Pas 2 jours, pas 3 jours. Un jour, comme ça, ils ne peuvent pas bouger, ils restent à la maison. Voilà. Et d'ailleurs, dans le chat, tu as une touche d'humour, tu as Andeva64 qu'on salue, qui est un fidèle aussi de l'émission, qui nous dit pour éviter le Covid à Auxerre, ils boivent du Chablis. Apparemment. Oui, il a raison. C'était le remède secret de Giroud pour gagner certains matchs aussi. Il donnait à l'époque, on pouvait faire des cadeaux aux arbitres. C'était les caisses de Chablis, là. Je m'en rappelle. Non, mais tu sais qu'ici, chaque région, tu vois des trucs. Mais ici, le vin blanc, le Chablis et le fromage a tombé par terre. Oh, maman, la classe. Ils ont des putains de fromages ici et de Chablis. Trop fort, je te jure. Trop bien. Trop bien. Oh, j'ai dit un gros mot, mince, le président. C'est pas grave. On va le biper après pour la rediff. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de. Surtout des réactions positives à votre égard d'ailleurs, qui vous remercient pour votre passage à Brest, à Troyes, vraiment beaucoup. Dont... Attends, il y en a une qui m'a fait rire là. Pareil par rapport à pas de vacances, c'est Tibarel qui nous dit pas de vacances à Auxerre, du coup, aucune chance de voir un Brésilien arriver. Non mais arrête, il répond lui à lui. Réponds lui qu'en fait nous. Réponds lui, tu lui réponds hein, directement. On a un Brésilien, Joubal, qui est très bon et qui joue à Setúbal, qui joue au Portugal depuis plusieurs années. Et
D'ailleurs, il a l'air assez content. Il vient d'avoir un bébé. J'ai pas pu l'amener à Clermont. Oui, et c'est lui d'ailleurs. C'est ça. J'ai trouvé ça hyper classe de ta part. J'ai vu que tu ne l'as pas amené à Clermont parce que sa femme ne connaissant personne à Auxerre, et pour pas la laisser toute seule avec le bébé et connaissant personne pour l'aider, tu as laissé le joueur à la disposition de sa chérie. Ça, c'est exactement. Tout à ton honneur aussi. Hein. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que plutôt que de faire du court terme, je préfère investir sur le sentiment des garçons, vois-tu. Parce que lui, attention, c'est des guerriers. Les Sud-Américains, c'est des guerriers. Donc lui, il m'a dit, je viens. Vous m'amenez en voiture à partir de telle heure et telle heure. Je rentre aussitôt. J'ai dit, non. Mais il me dit, mon seul problème, c'est que mon épouse, ma chérie, elle parle que le portugais, pas l'anglais et le français. Et elle est toute seule. J'ai dit, non, ça va. Reste avec ton bébé, reste là, c'est bon, on peut se reporter d'un match ou de deux, tu vois, de façon à ce qu'aussi, ils sentent notre complicité, vois-tu, ça c'est important. Non, on a un Brésilien, nous, il dit des conneries, le mec, là, parce qu'on a un Brésilien, et le type, il va au combat, attention. Hein, non, je pense que c'était autant pour le bon mot qu'il a dit. Oui, je sais. Donc, au niveau... J'ai noté au remerciement, pardon. Il y a l'artiste 106 qui nous dit, en majuscule en plus, merci Monsieur Furlan pour tout ce que vous avez fait pour ma ville de Troyes. En majuscule avec des points d'exclamation. Non, ils sont gentils. Ouais. J'ai des bons souvenirs là-bas. C'est qu'il y a les joueurs, ils m'ont fait de ces coups là-bas. Maman, j'étais trop rigolo. D'ailleurs, il faudra qu'on pose une question, notamment à ce sujet. Ah, mais t'inquiète pas, il m'a dit qu'il en a plein. Mais ouais, puisque nous, du coup, tu sais, on est très friands. On est très, très friands d'anecdotes et vraiment, c'est ce qu'on aime. Et à chaque fois, on demande une anecdote, tu vois, une insolite ou quelque chose que tu n'aies jamais raconté, quelque chose qui te soit passé. Et puis voilà, tu peux dire ce que tu veux. Non, des anecdotes, tu sais, des anecdotes, on en a beaucoup qui peuvent te venir comme ça si tu es dans un repas ou comme ça, tu t'assois. Moi, il y a un truc, une fois, la première année que j'arrive là-bas, Il y avait des garçons très très forts comme Nivet, comme Karl Touraine qui est un Niortais, comme Fred Adam, comme Gary Lamzin qui est directeur du centre. Ce sont tous des amis encore. Et Damien Perkis qui était un gamin, un Troyen. Et ils m'ont fait un coup. On était sur le point de monter et on va à Châteauroux qui était 3 ou 4e. Donc on y va en bus parce qu'on n'avait pas, il n'y avait pas de sous à l'époque. On avait un vieux bus et. Quand on arrive à Châteauroux, moi, je voyais les intendants, ils chargeaient des caisses de bière, d'alcool et tout ça. Alors, on était à la 37e journée, mais on était déjà en Ligue 1. Et après, on recevait une grosse équipe derrière, mais on a le dernier match, 38e à domicile, on a gagné 4-0, là, hyper sérieux. Tu sais ce qu'ils m'ont fait, les mecs? Ils ont perdu 3-0 à Châteauroux. Après, ils se sont bourrés la gueule dans le bus, mais à fond, ils dansaient. Le bus, on est rentré, le bus, il faisait comme ça. Pendant 3 heures, ils faisaient comme ça. Et quand on est arrivé à 3, au siège, ils ne sont pas descendus pendant 1 heure et le bus, il a fait ça pendant 1 heure. Ils étaient tous bons. Alors, tu vois, des anecdotes comme ça. Et moi, je disais avant le match, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font les intendants là? Mais qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? On est en Ligue 1. Mais voilà, des petites anecdotes de ce type. Voilà. Il y a une fois aussi sur le plan sportif, la même équipe, pour vous raconter, la même équipe, on va à Niort. Et on avait perdu 4 matchs. On était 16 ou 17e. C'était au mois de septembre. Et on gagne 1-0 à Niort. Un but de Nivet magnifique. Sur une passe de Perron. Et on gagne 1-0. Et là, on passe à la 15e place. Il faut savoir que cette année, on monte. Par rapport à ce que je vous dis, là, l'histoire, c'est la même histoire, la même année. Et ce qui est fantastique, il y a 18 gars. Et juste dans le couloir, il y a un grand couloir à Niort. Donc, Karl Touraine, qui est niortais. Et sur les 18, il y en a 10 ou 12 qui me tapent l'épaule comme ça en me regardant. Parce que je leur dis félicitations, vous avez gagné. Ils me disent voilà, à partir de maintenant, on ne perd plus un match. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils disent eux? Mais ils n'étaient pas passés le mot. Hein. C'était juste, ça je vous raconte, ils étaient séparés de 3 ou 4 mètres. Coach, à partir de maintenant, on perd plus. Il y en a 10 qui me disent ça. Ils n'ont plus perdu. Ils n'ont plus perdu. Ouais, c'est des mecs, si tu veux. Bon, la plupart avaient déjà 80 ou 100 matchs de Ligue 1, tu vois. Mais ils avaient dit voilà, à partir de maintenant, ils n'ont plus perdu. Ils ont perdu un match à la saison, tu vois. Voilà, c'est des anecdotes comme ça, quoi. C'est rigolo. Quoi. Ouais, bon. Quand une équipe elle est soudée, c'est vrai, hein, souvent on l'oublie, hein, et souvent les clubs, et on le voit de plus en plus dans cet aspect trading, etc. On cherche plus à garder des mecs qui représentent forcément les valeurs ou qui sont là depuis longtemps. On va chercher des jeunes pépites
ou souvent des joueurs comme ça qui ont juste un nom, et on se retrouve avec des clubs qui du coup n'ont pas de cohésion et qui finissent par faire des saisons catastrophiques. Hein. Donc, non, mais ce que tu dis, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait en parler longtemps, et c'est ce que dit mon ami André Monod, qui pour moi était le meilleur théoricien français dans son football et humanisme, dans son livre, c'est que le sport, les sports collectifs ont été créés pour une identité sociale et pour un lien social. Et là, maintenant, on est tombé dans des trucs où il y a beaucoup moins d'identité et où l'argent prend le dessus. Et le jeu de rôle aussi dans les clubs prend le dessus. Et là, le problème, c'est que tu te rends compte que pour nous, les entraîneurs, la précarité va devenir de plus en plus importante. Mais comment t'arrives aussi, le problème, c'est comment t'arrives à... on risque d'avoir... Un gars comme André Monod, il disait, ça peut faire disparaître notre foot, notre sport. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais par contre, on peut avoir un jour un football à deux vitesses, qui existe déjà, avec la VAR et sans la VAR. Mais un football à deux vitesses, un football pour les riches, et un football où le peuple ira parce qu'il y aura une identité beaucoup plus forte. Tu vois, et tu as raison, il y a un vrai risque dans ce domaine-là, parce que tu te rends compte que maintenant, la vie de l'entraîneur pour l'identité forte qu'on connaissait dans le temps, elle est de 10 mois sur la planète. Et du coup, et comme tu dis, comme je disais souvent, pourquoi, tu vois, cette année en Ligue 2, avec la crise sanitaire, pourquoi Clermont-Ferrand et Troyes tournent très bien? Parce qu'ils n'ont pas changé de joueur et qu'ils se connaissent depuis 2 ou 3 ans. Et ça, c'est quelque chose de très... Comment tu construis des identités fortes, des identités fortes où le public, le peuple, tes amis, ta famille s'identifient à ce que tu crées, à ce que tu fais. Et tu as raison, ça peut devenir un peu bizarre, tu vois, maintenant, et un peu particulier. Et on peut voir peut-être aussi disparaître certaines choses qu'on connaissait avant, tu vois, des identités fortes, tu as raison. Alors, donc, il y a plein d'autres questions. Il y a MadVal9494 qui nous dit « Comment avez-vous vécu la situation actuelle après le fiasco largement prévisible de Mediapro ? Depuis 2 ans, tous les clubs de Ligue 2 jouant la montée voulaient absolument être de l'année où les droits passeraient à 1 million, je pense à 1 milliard, ils voulaient dire. Comment cette situation est vécue à Auxerre, inquiet ou confiant ? La situation est bien vécue à Auxerre, même si la crise économique elle est très puissante et très dangereuse pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Mais les clubs de Ligue 2 avaient beaucoup moins spéculé sur les droits télé, beaucoup moins que les clubs de Ligue 1. Parce qu'ils avaient, ils étaient très, tout se concentre sur les clubs de Ligue 1 en droits télé. Donc les clubs de Ligue 2 avaient moins spéculé, même si c'est un manque important. Nous, pour répondre à la question, on vit bien ça parce que M. Zhou, notre actionnaire chinois, qui est très proche, d'ailleurs qui a une très très belle propriété à côté de Bordeaux, de vin, qui a un très très beau restaurant, comme ça j'aime ceci, m'écoute, mais il ne comprend pas le français. Je parle à lui. Il a un très très bon restaurant aux Allées-Tourny, à Bordeaux. Mais James nous soutient, nous aide. Donc même si la situation économique est difficile, il n'y a pas de danger pour la JOCR sur le plan économique. S'il a une mallette avec quelques billets, il peut la laisser à l'étourny, on la ramasse pour le club, tu sais, on en a besoin. Je sais. Donc, mais, ouais, voilà, ouais. Donc pour répondre à ce monsieur, non, il n'y a pas de souci parce que James Zhou est derrière nous, quoi, voilà. C'est ça qui est bien. D'accord, ok. Ensuite, il y a tellement de questions, excusez-moi. D'ailleurs, les gars, vous êtes 130 actuellement avec nous, merci beaucoup, hein, merci à tous. Hein. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à poser vos questions, comme on le dit, et puis on essaye d'en poser un maximum, quand vous voyez Jean-Marc. Et tu sais quoi, écoute, j'ai un truc à te raconter. J'étais avec mon attaché de presse, elle me dit, où c'est que tu vas là ce soir? Elle me dit, Jean-Marc, vous allez où? Elle me voit, parce qu'elle a l'âge de ma fille. Et j'ai dit, Constance, bon... J'ai dit non, mais t'inquiète pas, on sera que 5 ou 6 à parler. Elle me dit quoi? C'est pas du tout vrai. Et mon président, il arrive, il me dit non, c'est pas vrai du tout. Donc, elle me dit attention, je vais surveiller. Elle me dit ah bon, d'accord, ça va. Je vais surveiller. Elle dit. C'est bon, c'est que de l'amour ici, on est bien. Et oui, c'est là pareil, passe le bonjour, vous voyez, c'est tranquille. Ici, il n'y a pas de. On est entre passionnés, tout simplement.
Donc, j'en étais où, excusez-moi, oui. Donc, il y a FC Samy qui nous dit, question, alors, que pensez-vous de l'inaccessibilité du diplôme d'entraîneur professionnel? C'est-à-dire que quand il pose cette question, c'est parce que c'est très difficile en France. Un vrai problème. Oui, par rapport à l'étranger, je pense. Lié. Pardon. Je pense qu'il veut parler de par rapport à l'étranger. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est par là, c'est surtout pour rapport au, au milieu amateur. Oui, je pense que c'est ça. Il y a un vrai sujet à l'heure actuelle sur le milieu amateur pour pouvoir accéder au diplôme d'entraîneur professionnel au niveau de la Fédé pour les coachs qui viennent du monde amateur. Voilà, il y a un vrai souci, c'est vrai. Parce que c'est des dossiers qui sont souvent sélectionnés par rapport à ce que tu as vécu, etc. Comme on ne passe plus comme les Portugais ou les Espagnols par les universités, ça serait accessible à tout le monde. Et là, on ne passe que par la fédération. Et c'est vrai que il y a un vrai problème et un vrai sujet à soulever, et de façon à ce que il y ait une ouverture beaucoup plus large pour les entraîneurs amateurs vers le milieu professionnel. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Moi je suis catalogué, étiqueté, parce qu'en France on étiquette les gens, comme un entraîneur Ligue 2. Bon, je ne vois pas en quoi, c'est... mais il y a des entraîneurs, comme dit Guardiola, hein. Il dit, moi on dit que je suis un des meilleurs entraîneurs du monde, mais j'ai le meilleur club du monde et la plus grande équipe du monde. J'ai des copains qui sont en division 2 ou division 3 en Espagne, ils sont aussi forts que moi. Et si vous me mettez là-bas en division 2 ou division 3 en Espagne, je vais perdre des matchs et vous allez dire que je suis une burne. Je suis zéro. Donc, il dit, je suis... C'est un peu ce que disait Didier Deschamps, tu avais dit une fois, être un bon entraîneur, c'est être au bon endroit au bon moment. Mais Didier a toujours des phrases fantastiques parce qu'il y a des phrases qui tombent pile, tu vois, que je veux dire. Alors lui, Didier me disait, c'est ça, il me disait, c'est être un entraîneur, être un bon entraîneur, c'est le mec qui est au bon endroit au bon moment. Mais aussi, il me disait, tu sais, moi, Jean-Marc, je ne vais qu'où il y a que les meilleurs du monde. Ah, j'ai dit, putain, oui, mais toi, tu t'appelles Deschamps. Toi, t'es au top. Quand t'es furlant, que t'es à Libourne, faut faire avec ce qu'on te donne. Oui, bien sûr, parce que quand t'as les meilleurs joueurs du monde, c'est un peu plus facile, oui, tu vois. Mais par exemple, moi, enfin, toi, dans ta carrière, quand il y a un épisode aussi, c'est-à-dire que tu vas dans un club, alors c'était à Nantes. À Nantes, tu fais 10 matchs, je crois. Et à la fin, tu claques la porte, mais avec ton tempérament, on connaît un peu, mais c'est en gros parce que c'est un peu l'ingérence aussi que tu ne supportais pas, l'ingérence de Kita. Donc, je veux dire aussi, tu as cette indépendance qui est rare aussi. Et Tu l'exprimes très bien. C'est le président Thierry Gomez, président du Mans, qui est un ami, parce que je l'ai eu, j'ai eu 3 ou 4 ans avec lui à 3, qui me dit vous, coach Jean-Marc, toi, tu fais peur à tous les présidents. Ben oui, c'est ça aussi. Ouais, et c'est mon gros défaut. C'est vrai que, avec les présidents, tu redeviens le joueur qui cartonnait tout le monde aux Girondins, ouais. En fait, quand tu étais. C'est ça. Ouais, coupe ce qu'il vient de dire. Faut couper ce qu'il vient de dire. C'est exactement ça. Ah non, mais au FC Nantes, je te dirai pas comment je suis parti parce que c'est honteux. Ça peut valoir de la prison, mais j'ai fait 6 semaines. Ouais, voilà. C'est compliqué. Parce que c'est vrai que, oui, tu as raison, c'était un peu ce que tu viens d'exprimer. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ce que tu viens d'exprimer, oui. Un peu léger, en fait. Voilà, et d'ailleurs, il y a pas mal de questions qui viennent là-dessus, et ça va faire, ça va coller avec la question d'avant aussi. Et la DTN, ça t'a jamais intéressé? Un poste à la DTN? Oui, mais la DTN, c'est absolument fantastique d'être dans la formation des entraîneurs, mais il se trouve que, moi je pense, parce que tu sais, cette passion, elle est très anxiogène, et elle est très fatigante, c'est épuisant par la précarité, la gestion des ressources humaines de 40 mecs, parce qu'il faut savoir quand même que autant quand tu as des très très grands joueurs qui gagnent bien leur vie et qui sont capables effectivement, comme au PSG tout ça, de faire des grandes carrières, autant il faut savoir que le football professionnel, il faut dire au peuple français
que c'est la moyenne, c'est 4 ans et demi. 4 ans et demi de moyenne de professionnalisme. Et le taux de dépression est deux fois plus important dans le monde du football, ce qui pourrait arriver un jour peut-être aussi dans d'autres sports collectifs professionnels, que dans la société civile des plus grands pays européens. Dans la société civile des plus grands pays européens, le taux de dépression est entre 14 et 15%. Dans le football, il est à près de 40% de taux de dépression. Donc, autant, ce qui est très, très, très compliqué pour les joueurs, c'est comment tu les mets dans des situations, effectivement, de s'en sortir, d'avancer. Et alors, autant quand tu as des très grands joueurs, c'est différent. Mais et ce qui donne le sens, moi, à ma mission, c'est comment je vais les aider, comment je vais les faire avancer. On était parti de quoi, dis-moi, Lando, à la DTN, est-ce qu'un poste oui. De DTN alors, à la DTN moi, la force que j'ai encore, voilà, la force que j'ai encore, c'est j'ai encore la force, l'envie d'aider mes joueurs. Mais c'est vrai que c'est très anxiogène, c'est très compliqué, c'est quelque chose de très épuisant, parce qu'en plus, tu ne dépends que des résultats. Alors des fois, tu te dis, effectivement, moi je pense qu'un sélectionneur, comme disait Alex Ferguson, un sélectionneur ou un mec à la DTN, c'est quelqu'un qui a fait 20 ou 25 ans de métier d'entraîneur et qui après va enseigner les choses. Pour l'instant, j'ai encore assez de jus pour rester près des joueurs, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai assez de gaz. Mais c'est vrai que c'est très épuisant et très fatigant. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, qui me plairait. Et d'ailleurs, Alex Ferguson, c'est bien parce qu'il le disait. Parce qu'autant, c'est pareil, comme Didier Deschamps disait dans un article, il disait « Quand je suis sélectionneur, j'ai une vie sociale. Quand tu es entraîneur, tu n'as pas de vie sociale. » Et il a raison. Tu n'as aucune vie sociale. Tu ne vis que pour ton club 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Et pour tes joueurs. Et on n'a pas de vie sociale. Par contre, il dit, Didier, en tant que sélectionneur, j'ai une vie sociale. Et oui, effectivement. Et Alex Ferguson disait dans sa biographie qu'effectivement, pour un sélectionneur, c'est quelqu'un qui a fait 20 ou 25 ans d'entraîneur et qui après, mais c'est vrai que la DTN, c'est sympa aussi de transmettre, surtout quand tu deviens vieux comme moi. C'est bien de transmettre. Et puis, tu parlais de la bio de Ferguson, et moi je trouve qu'il y a une phrase qui, je te verrais bien la dire à tes joueurs dans le vestiaire, parce que moi je l'ai lu aussi, la bio de Ferguson, et il y a une phrase où il dit à ses joueurs, nous sommes des gens, alors je reprends, c'est nous sommes des gens qui aimons la prise de risque et l'audace, pour justifier, tu vois, et moi je trouve que c'est une des clés de la réussite, tu sais, dans ce discours-là. Je ne sais pas si cette phrase, tu l'avais déjà relevée et je trouve qu'elle est géniale. Eh bien, en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que cette phrase-là, partout où je vais, dans tous les clubs, depuis le début, depuis Libourne, elle est en gros dans le vestiaire. C'est vrai ? Ah, tu vois, alors, pour le coup, je ne savais pas. Mais, cette phrase, voilà. Ah, mais je trouve qu'elle colle, elle colle gros, parfaitement. Depuis Libourne, elle est en gros dans le vestiaire. C'est vrai. Ça, quand il avait déclaré ça, quand j'ai lu ces bouquins-là, qui ont été traduits en français, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-uns, et du coup, ça m'avait complètement sauté à la figure, tu vois. Et je l'ai mis en gros dans le vestiaire. Notre philosophie, c'est ça, j'ai mis, voilà. Dans cette citation. Voilà. Alors, juste, j'ai perdu le pseudo, malheureusement, mais il y a Mouette, j'avais retenu que Mouette, désolé, qui s'est abonné via Prime. Donc, Mouette Wapiti TV, merci à toi. Merci, voilà. On a un spectateur qui a pris un abonnement à la chaîne, donc voilà, on le remercie en lui envoyant des cœurs. Et d'ailleurs, Nikos, qui est notre régie, l'a pris aussi tout à l'heure. Donc merci. Ah, merci. Merci. Allez, hop, prenez cause. Voilà. N'oubliez pas, les gars, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit et nous, ça permet de nous aider à continuer. Donc n'hésitez pas. Vas-y, So. Ouais, il y a beaucoup de questions. Vas-y. Exactement. En plus, il y en a que j'ai encore gardé. Donc il y a Papy Gomis, un fidèle aussi de l'émission, qui nous dit, alors, coach, quelle est pour vous l'importance d'avoir des joueurs heureux en dehors du terrain? J'ai souvenir d'une discussion sur ce sujet avec Samuel Olivier. Par rapport à ce que tu dis, c'est que quelle importance d'avoir des joueurs heureux en dehors du terrain, c'est ça que tu dis? Exactement, oui. Oui,
il est très très important que les athlètes, que ce soit des footballeurs ou autres, des athlètes de haut niveau, forcément, sur les performances que tu peux avoir sur le terrain, leur vie sociale est très impactante. Et évidemment, moi je suis très autant sur le plan du football, j'aime bien leur dire quasiment de A à Z comment ils doivent se comporter, hein, et comment ils doivent développer le football, parce que j'aime pas qu'il y ait d'improvisation. La créativité, comme je leur dis, elle vient après que vous ayez respecté tous les protocoles. Voilà. Mais surtout dans notre sport, où ce qui est le sport le plus imprévisible, le plus aléatoire qui existe au monde, et en plus qui se joue au pied, pas avec la main, donc c'est compliqué. Il est évident que, comme c'est très imprévisible et très aléatoire, qu'il est fondamental de se pencher sur la vie des gens et comment ils sont heureux. Et comment tu... d'ailleurs, ça a beaucoup changé. Le management des ressources humaines, de ce qu'on a connu nous, des entraîneurs qu'on a connus nous, et maintenant, tu ne peux plus en aucun cas te comporter de la même façon avec les garçons. Moi, comme je leur dis, quand ils ont 17-18 ans, moi je vous comporte comme des adultes, comme si vous aviez 35 ou 40 ans et comme vous êtes des gens responsables. Et si j'ai quelque chose à leur dire, c'est en tête à tête. Et ils sont très sensibles à ça, vois-tu. Mais il faut à tout prix que pour notre sport, il est tellement multifactoriel et systémique qu'il faut à tout prix que les joueurs soient heureux, oui. C'est indispensable, indispensable. Et dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Oui, ça c'est sûr. À tous les niveaux professionnels. Et même dans la vie, presque, au travail, etc. Mais dans la vie, pareil. Mais c'est pareil aussi, comme tu le dis, dans les entreprises maintenant. Exactement. La gouvernance, elle n'est plus verticale, elle est horizontale. Et c'est normal qu'on évite les gouvernances comme nous on l'a connue, où elles étaient assez dictatoriales et verticales, où ça tombait grave, tu vois. Ça tombait grave. Tandis que maintenant, on ne peut plus en aucun cas avancer dans ce domaine-là, et dans toutes les entreprises, et aussi chez nous, dans le monde du sport, du football, évidemment. Évidemment. Exactement. Juste, il y a eu un nouvel abonnement de Mati. Quand il y a un abonnement, je suis obligé de... Chaque abonné, on envoie des cœurs. Merci. Donc, ça, c'est pour toi. Alors, excusez-moi. Ensuite... C'est pour toi aussi, Jean-Marc, on t'envoie des cœurs aussi. Merci. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait demandé dans le chat comment lier les deux comptes. Du coup, je vous ai envoyé un lien, les gars, c'est trop simple. Donc, si vous voulez, vous l'avez dans le chat. Alors, il y a Pierrot71000 qui nous dit « Bonsoir coach, pensez-vous que cette saison est une saison plus compliquée que les autres pour accéder à la Ligue 1 ?» Question d'actualité. Ah non, il faut lui dire à Pierrot, c'est compliqué tous les ans. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué toujours. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. S'il veut dire par rapport à la crise sanitaire, ce qui est très désagréable par rapport à ça, c'est le manque... le manque d'échange, de relations avec le peuple, avec le public, avec les supporters, avec ça. Ça c'est très lourd et très dur. Mais sinon, pour aller en Ligue 1, non, c'est toujours compliqué. Roland Courbis, il disait, et tu vois, quand tu es classé, c'est beaucoup plus difficile d'en mettre 17 derrière, tu vois, que d'être le premier, d'en mettre 18 ou 19 derrière, que d'en mettre que 3, tu vois, pour se maintenir, tu vois. Et aller en Ligue 1, c'est très compliqué parce qu'il faut en mettre 18 derrière. Il faut être premier. Et c'est tous les ans très, très compliqué. Oui. Très compliqué. D'ailleurs, c'est quoi votre regard sur les play-offs en Ligue 2? Souvent, c'est un sujet de débat puisque du coup, on se retrouve avec plusieurs matchs. Donc le cinquième joue le quatrième, le vainqueur joue le troisième, le vainqueur joue le deuxième, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Donc comment vous trouvez, c'est quoi pour vous Vous comprenez ce système de play-off ou pas du tout? Puisque du coup, on dit souvent que c'est avantageux pour les équipes de Ligue 1, puisque quand on se retrouve au barrage, on se retrouve avec une équipe qui n'a pas fait de match contre une autre qui vient d'en enchaîner 3 ou possiblement 2 ou 1. Mais est-ce que vous trouvez que c'est désavantageux? Non, c'est complètement désavantageux pour les clubs Ligue 2, c'est fait exprès. D'accord. C'est volontaire. Moi, peut-être que de ce modèle-là, je manque de modernisme et d'esprit contemporain,
mais je suis, par rapport au travail d'un an, je suis contre le fait de, au même titre que quand j'ai discuté avec mes copains du rugby, qui ont toujours fait ça, j'arrivais jamais à comprendre comment tu peux te battre toute une saison pour être dans les trois premiers et qu'au rugby, ils faisaient les playoffs. Moi, quand j'en discutais beaucoup avec mes copains du rugby, j'ai dit, mais comment vous pouvez faire des playoffs alors que vous vous levez le cul toute la saison pour bien travailler, pour monter un projet, et après, sur deux matchs, tout s'écroule. Je trouvais ça complètement stupide. Maintenant, c'est un avis personnel qui ne vaut que mon cerveau. Maintenant, il faut s'opposer. Mais je suis contre. Je suis contre. Je suis pour un travail. Autant tu fais des matchs à élimination directe, c'est très Oui, excitant. exactement. Les gens aiment. Tu fais des matchs de Coupe de France, tu fais des matchs de Coupe à élimination directe, c'est très excitant et tout ça. Mais autant un championnat, tu le conclus et tu le finis par un travail d'un an et pas sur des playoffs, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, ça ne vaut Bien sûr. que ce que je ressens, quoi. Ouais, j'allais le dire. J'allais Je le l'ai dire. vu Ben, aussi, ouais. merci. Deux nouveaux abonnements, les gars. Merci à Cédric. S'ouvre le Et cœur. à Spéon, merci les gars, vraiment, vous gérez de fou. Hein. Merci beaucoup, c'est très très gentil, les frères. On vous aime. Vas-y, t'en as Alors, encore des questions? J'en vois il y en vraiment, a plein. il y a tellement Il de questions, c'est y ouf. en a des tas. Hein. Je te jure. Excusez-moi, j'essaie de voir Bon, les quelques gars, questions. il faut leur dire que oui, ils m'invitent à manger ou on va les manger, là, parce Ah que ouais, c'est vrai en plus. à Ah ouais. l'espagnol. T'inquiète pas, on va bientôt te libérer, mais ils sont trop contents de t'avoir. Parce Ils que sont là, tellement contents. tu as vu, c'est en plus, c'est en direct. C'est ça qui est chouette. Il y a un échange. Et voilà. Donc, De toute façon, si, ben, ça si serait bien. que nous, on a mangé, on s'en fichait. Non, mais c'est qu'en plus, tu vois, vu que c'est rare que. Enfin, c'est rare de trouver le moyen de s'exprimer comme ça avec les gens. Ah, je l'avais déjà oublié, celui-là, tiens. C'était quoi l'histoire derrière ce masque, juste? Ah, vas-y, Ah raconte-nous, ouais, mais je veux voilà. savoir. Attends, j'avais Raconte-nous. oublié ça. Attends, je te raconte une anecdote. Parce que j'arrête pas de casser les pieds à mes joueurs avec. Bon, j'ai des modèles, tu sais. Alors, quand tu leur parles de Johan Cruyff, les mecs, ça leur parle pas. Parce que des fois, tu sais, si tu leur parles de Zidane maintenant ou de Michel Télisarazu, les jeunes, et ça les fait mourir de rire. Ils te disent, c'est qui? Parce que les mecs, ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et moi, je leur casse les pieds, tu vois, souvent avec Guardiola et avec Luchescu, Lucien Favre, tu vois. C'est la secte. C'est la secte. Et une fois, donc de temps en temps, ça m'est arrivé à Brest, comme là, mais avec le Covid, ça pose problème. Mais à Brest, je leur disais, voilà, si vous gagnez là, ça me plairait. Tiens, je fais l'effort, je vous invite au resto. Et donc, ça m'est arrivé de le faire trois ou quatre fois dans la saison. Alors, avec leurs femmes et leurs enfants, donc je louais un petit truc, tu vois, et on faisait une soirée jusqu'à 23h, 23h30, de 19h au resto. Et un jour, quand je suis arrivé, tu sais, ces bâtards, regarde-les, ils avaient tout ça, leurs femmes, les enfants, eux, ils avaient tout ça sur le visage, accroché. Ils avaient tout ça accroché au visage. Tout. Quand je suis rentré, tu sais, on est arrivé avec ma femme, on est arrivé en retard, et ils étaient tous là, et ils étaient trop contents d'avoir accroché ça, tout ça sur le visage, parce que je leur casse tellement les pieds avec ça, mais voilà, ils avaient fait ça. Du coup, quand je suis parti, ils m'ont tous donné les masques, donc je l'ai là, tu vois, posé, c'est pour ça. Voilà l'anecdote, quoi. Voilà l'anecdote. Incroyable. Non mais, hey, en plus, il est vraiment très très bien fait, le masque en tout cas. Hein. Franchement, arriver dans une salle et voir que des Pep Guardiola. Ouais, ça fait drôle, je te jure, Ah je te ouais. jure. Ça m'a fait trop drôle. Mais j'ai trouvé que c'était un geste vraiment d'humour et de Ouais, truc trop voilà, bah sympa, oui. quoi. Trop rigolo, quoi. Trop rigolo, quoi. C'est C'est vraiment sûr rigolo. Et là, j'étais plié en deux, je te jure. que. Parce que je leur casse tellement les pieds avec ça, tu sais. Entre Luchescu, des fois je leur parle aussi beaucoup de Christian Gourcuff, tu vois, et du truc. Du coup, là, ils avaient fait ça, tu vois, pour me dire, voilà, ça suffit maintenant, tu vois, genre, genre, on est tous des Guardiola, tu sais, on est tous des Guardiola. Alors, on va encore poser deux trois questions puisqu'on va pas non Mais ouais, plus voilà. vas-y prendre vas-y vas-y tout le temps. D'ailleurs, il y a moi, toi, Petit TV, qui est notre nouvel abonné, qui dit alors, coach, quel est votre regard sur la situation actuelle du FC Nantes? Faut-il repasser par la case Ligue 2 pour mieux reconstruire? Non, alors tu me disais que mon avis sur le FC Nantes, faut-il repasser par Case Ligue la 2. case de Ligue 2, oui. Ligue 2? Ouais. Non, non, je ne crois pas que par rapport à ça, il y a besoin pour.
de repasser par la case Ligue 2, non. C'est compliqué parce que l'histoire du FC Nantes par rapport aux identités et ce qu'on a vécu, moi ce que j'ai vécu du FC Nantes, c'était un truc absolument sur le plan du jeu qui était novateur. Hein. Il faut savoir que le FC Nantes, dans les années 80, 90, c'était copié par le monde entier, hein, en Amérique du Sud et tout ça, leur football. Et ce qui s'est cassé, c'est cette forte identité dont on parle depuis une heure. Identité de jeu, mais pas seulement de jeu, à la fois de vie, comme, ouais, de vie, d'audace, comme on vient de le dire. Tu sais, j'ai une anecdote à vous raconter encore, parce que c'est une anecdote au football, mais ça permet aussi aux gens de partager un peu. Une fois, j'avais comme adjoint Vincent Brasiliano à Nantes. J'adorais ce joueur, qui a joué aussi à Toulouse. En plus, c'est une très très belle personne. Et il a été merveilleux avec moi. C'est une très belle personne, très, très honnête, très intègre. Et il était mon adjoint. Le président l'avait mis comme adjoint. Et un jour, je lui dis, oh, tu sais ce qu'on va faire là, parce qu'on était en difficulté, tu sais, on va engager, comme font certains, on tape le ballon et on va mettre une touche à 60 mètres, tu vois, l'engager. Alors, il me regarde, il me dit, non, là, coach, ça, chez nous, on ne peut pas le faire. Parce que j'ai dit, ça, on ne peut pas le faire. C'est interdit chez nous. Hein. Non, non, il faut que faire du jeu court. J'ai dit, bon, je crois que tu as raison, on ne va pas le faire. Mais non, pour revenir à cette question, c'est l'idée que non, tu n'as pas besoin de pas repasser la case des deux. Mais tu sais, si on retrouvait l'état d'esprit, le football, le jeu, pour retrouver ça, je ne sais pas comment on peut faire. Sincèrement, par rapport à notre mode contemporain et notre ère moderne, liée beaucoup au passage des joueurs, comme tu l'expliquais, au passage des entraîneurs qui bougent beaucoup, pour recréer ces fondements, c'est juste lié peut-être à 4, 5, 6 clubs mondiaux. Mais comment on va être capable de recréer ça? Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Créer ces fondations-là qui plaisent aux gens, ces discours qui pèsent aux gens et qui remplissent les stades, ça, c'est compliqué. Compliqué. Mais passer par la case Ligue 2, tu n'es pas obligé, non. Ensuite, je vais prendre une petite dernière question du chat. Hop, je regarde dans ce que j'ai essayé. Ouais. Donc, il y a Shankavatov qui nous dit comment vous préparez vos sessions d'entraînement? Vous faites en fonction des matchs du week-end ou vous restez fidèle à une planification? Je reste fidèle à une planification. On travaille, nous les entraîneurs, jour J, J-1, J-2, J-3, J-4, J-5. Enfin, moi je travaille comme ça, mais beaucoup travaillent comme ça. Et par rapport à ma philosophie de jeu, déjà, les entraînements, c'est moi qui les conçois. Beaucoup d'entraîneurs modernes maintenant, nous, j'ai été formé à la façon des anciens comme Aimé Jacquet, tout ça, Michel Hidalgo et tout ça, où nous, mais même des gars comme Guardiola et compagnie, c'est qu'on adore. Je suis un fan de la créativité des entraîneurs. Comment je recherche des entraînements, je suis un fan de ça. Et donc, mes sessions d'entraînement, je les crée moi, je les donne en fonction de ma philosophie de football. C'est vraiment lié sur le plan technico-tactique. Un des éléments premiers, c'est philosophie du foot, ma philosophie. Qu'est-ce qu'on travaille pour ça par rapport au protocole de jeu, par rapport et aussi aux zones de terrain. Et ensuite, comment les joueurs se font plaisir. Et les sessions d'entraînement, en règle générale, depuis quelques années, nous, c'est J-5, 1, quand il y a un J-5, on n'a pas toujours des J-5, J-4, 2, J-3, 1, aujourd'hui on était J-3, J-2, 2, demain c'est 2, et J-1, 1, voilà. Et en règle générale, je reste là-dessus. Et voilà, je c'est pas règle générale, sauf s'il y a un match tous les 3 jours. Voilà, c'est tout. Voilà. J'avais une petite dernière. Mais je suis fan, tu sais, tu as des nouveaux entraîneurs, tu as plein de jeunes entraîneurs maintenant, qui ont des adjoints qui leur créent les entraînements. Mais moi, j'aime bien cette remise en question et cette recherche permanente. Je suis toujours en train de rechercher sur les entraîneurs qui me plaisent et dans le monde entier. Alors maintenant, avec Internet et tout ça, c'est plus facile. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ce que j'allais te dire, en plus, quand on est, toi, tu as déjà
identité forte de ce que tu veux. Tu sais très bien ce que tu veux faire, ou déjà ce que tu ne veux pas qu'il y ait sur un terrain, ce que tu ne veux pas voir. Et ce qu'il y a de chouette aussi, c'est que tu dois être, voilà, tu es du style à aller piocher, mais après, toujours adapté, évidemment, à l'effectif que tu as. Donc, parce qu'il y en a, moi je trouve aussi des fois qu'avec certains, d'un avis extérieur, je ne suis pas professionnel du métier, je ne suis pas dans le vestiaire, on ne voit pas, mais des fois on a l'impression que certains coachs ont parfois un jeu soit trop étriqué ou soit trop ambitieux, parfois, même si tu veux arriver, tu vois ce que je veux dire, si tu veux arriver au point, du point A au point C, on ne peut pas y arriver forcément du premier coup. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas l'effectif, ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es l'entraîneur typiquement qui s'inscrit sur des projets, je pense, enfin, comme ça, long terme. C'est-à-dire que tu arrives, le temps de faire l'état des lieux, on va dire, c'est l'idéal pour un entraîneur d'avoir le temps. C'est ce qui manque des fois en Ligue 1 par rapport à la Ligue 2, je pense. Mais c'est-à-dire que, voilà. Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Mais tiens, je te la pose de suite. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui a pêché, qui a expliqué ton départ de Brest ? C'est-à-dire que peut-être que c'était des contrats peut-être un peu trop… peut-être qu'on t'a dit c'est un an plus un an ou des choses comme ça, je ne sais pas. Ce n'est pas une histoire comme ça qui a fait… si tu peux le dire. Oui, c'est une histoire comme ça, je peux le dire. Oui, je le sais, je peux le dire parce que tous les peuples… Breton, Brestois, Finistérien le savait. Quand j'étais un an de la fin de mon contrat, les dirigeants m'ont proposé en février ou fin janvier, par mail, sans me rencontrer, un an de contrat. Donc, quelque part, comme... franchement, ils te connaissent ou quoi? Alors, comme me disaient les ultras, ils me disaient là-bas, ils veulent vous niquer, quoi. Ça veut dire que tu perds demain. Et donc, j'ai pas... À moi, je n'ai pas senti, c'était le signe fort que le président m'a donné, la confiance en moi. Voilà, je n'ai pas senti ça. Parce que c'est vrai que bon, je ne suis pas facile à gérer, que des fois je dis ce que je pense. Bon, voilà, des fois, il y a des personnalités à qui ça plaît, d'autres ça ne plaît pas. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est surtout ça. Mais par rapport aux histoires des sessions d'entraînement, moi, souvent, elles sont en fonction de la philosophie. Mais ça arrive des fois aussi, tu as raison, que des fois, tu peux te montrer un peu moins ambitieux parce que ton équipe a moins de capacité ou elle n'est pas encore rodée. Mais par contre, les entraînements sont tous, sur le plan technico-tactique, sont tous en fonction de ma philosophie. Et ce que je choisis dans les bouquins que j'ai par dizaines ou sur ce que je vais chercher partout, ce que je vais chercher, c'est surtout des gars, déjà, comme par exemple, j'ai beaucoup de séances de Lucescu, qui est un entraîneur roumain très connu et que j'aime beaucoup ses équipes qui jouent au football, j'adorais son football. Et bien une fois j'ai un copain qui a fait 15 jours de session, il a tout filmé, les entraînements, il nous a tous donné. Et bien comme lui c'est un style de jeu que j'aime beaucoup, et bien j'ai lui ai copié. Comme quand je suis allé voir Christian Gourcuff, il a été génial, j'ai passé 15 jours avec lui quand j'arrête à Nantes. Il a été génial, il m'a dit je te donne tous mes entraînements. Et où il est encore plus génial, c'est que je dis Christian, moi quand je mets les entraînements, je mets je Gourcuff. Il me dit non, mais j'en ai donné plein, personne ne fait ça, personne ne met, mais si moi je mets je Gourcuff, entre guillemets je Gourcuff. Il me dit mais t'es bien le seul à mettre ça, mettre mon nom sur les jeux. Mais je dis je te les ai piqués, donc je mets je Gourcuff. Mais parce que tu veux, tu t'inspires par rapport à ta philosophie, des trucs qui te plaisent, vois-tu. Oui, et puis en plus, c'est le plaisir. Un entraînement, il y a aussi le plaisir. Moi, j'aime bien aussi que les joueurs se fassent beaucoup plaisir. Un entraînement, c'est comme un système de jeu. C'est un système de jeu, mais ce qui est important, c'est l'animation. Et donc, l'entraînement de Gourcuff, mené par Gourcuff, Furlan ou Domenech, il va être différent. Ah oui. Voilà. Ah oui. L'animation, ah, mais ça fait aucun doute, M. Nando. C'est que après. Tu as ce que tu as. Tu sais ce que disait André Menot, mon ami. Il disait la force est un peu le paradigme. Le football est le paradigme de la politique. Pourquoi ? Parce qu'il dit souvent l'entraîneur, sa force est le logos, c'est-à-dire le discours. Et c'est vrai que par rapport aux joueurs, tu peux avoir des fois des footballs, un football étriqué et tout ça. Mais s'ils adhèrent à ton discours et à tes compétences, parce que sinon le joueur de football comme le joueur de rugby, c'était une burne. Il le voit aussitôt.
Et là, il ne te suit plus. Donc, il va aussitôt te juger par rapport à ta cohérence, tes compétences et, comme disait André Renaud, ton logos, ton discours. Si ton discours, il est blaireau et tout ça, tu peux être le meilleur. J'en ai connu, moi, des copains qui étaient très, très forts. Et je ne dirais pas très, très forts sur le plan technico-tactique, mais sur le plan de la personnalité et du logos, du discours, ça ne passait pas. T'es mort. Hein. Tu fais 4 ou 5 ans et tu disparais. Les joueurs, l'être humain, l'homo sapiens, il fait ça. Si tu me casses les pieds, bon, j'allais dire un gros mot, si tu me casses les pieds, tu dégages. Tu vois ce que je veux dire ? Et comment tu as cette cohérence, cette cohérence-là par rapport au logos et au discours, en plus, et cette compétence. C'est là où tu sais que quand un professionnel s'assoit en face de toi, la première chose qu'il lit, qu'il veut lire, est-ce que tu es compétent et cohérent ? C'est tout. C'est ça qu'il veut dire, un joueur professionnel. C'est ça. Et après, il suit, tu vois. Voilà. On va terminer. Et puis, il y a la question traditionnelle. Et juste avant ça, parce que depuis tout à l'heure, depuis le début, je vois que beaucoup de gens nous le demandent. Puisque du coup, vous êtes dans une bibliothèque. Et puis tout à l'heure, on nous demande si vous aviez deux livres à conseiller pour le foot. Pour ceux qui veulent apprendre à décortiquer le foot, qu'est-ce que vous conseillerez ? Ah ouais, moi je conseillerais. Tout à l'heure, on nous le demande. tu peux prendre les livres de Thibaut Leplat sur Guardiola. Mmh. Tu vois. Ensuite, c'est très très complexe à lire, mais il y a le livre de mon ami André Menot, Football et humanisme, mais c'est très très complexe à lire, voilà. Mais sur le jeu du football, j'ai envie de dire, tu as aussi intéressant, tu as des livres comme ça. Mais je parle de biographie, tu vois. Je parle de biographie. Après sur le plan technico-tactique, si tu veux prendre des trucs, tu vas à la Fédé, ils vendent des livres, ils vendent sur le plan technico-tactique. Mais je parle surtout sur le sens, le mec qui va lire, par exemple, moi quand j'ai lu la biographie de Ferguson, ouais, j'ai trouvé que c'était top. Et puis, ça te transporte, tu pars. T'as un bouquin, tu vois, là, par exemple, celui-là, c'est un collègue à lui qui l'a fait sur le Bayern. Bon. Je me suis cassé les pieds, tu vois, 400 pages. Sauf qu'il y a 5 ou 6 citations ou 5 ou 6 trucs sur Guardiola qui dit « Oh putain, là j'accroche », tu vois. Donc, du coup, tu vois, tu pioches un peu comme dans plein de métiers, vois-tu, surtout quand tu fais des ressources humaines, etc., tu vois. Voilà. Ok. Bon. Dernière chose. Rapide, puisque par rapport à la question, c'est aussi avec les points de chaîne et Papy Gomes. Tu peux aller boire une bière, les gars ? On va tout de suite, c'est vraiment léger. Par contre, on nous demande déjà un épisode 2, Jean-Marc. Hein. Il faudra qu'un jour on essaie d'en faire un. T'as pris le message que tu voulais passer. Exactement. Jean-Marc, c'est ce que t'allais dire encore. Et Nando, il veut me poser la question. Fais ton 11. Je ne te la pose pas parce que justement. On n'aura même pas le temps. Je ne veux même pas parce que sinon on finit à minuit et puis tu as quelqu'un qui va te dire. Attends, Hernando, on va faire à minuit. Là, pour l'épisode 2, je vais dire à tout mon staff qui me sortent les 30 meilleurs joueurs du monde et je vais te le faire. Je vais dire à mon staff. On a une question traditionnelle, Jean-Marc, pour finir les lives en général. Donc en fait, si tu avais 3 invités, tu vois l'humeur, un peu l'état d'esprit de l'émission. Si tu avais 3 invités à nous conseiller d'inviter, qui c'est que tu nous conseilles ? 3, tu me dis. Déjà, j'ai envie de te dire Omar Da Fonseca. Je veux te le faire, Omar Da Fonseca, parce que c'est très, très agréable de parler foot avec lui, tu vois. Voilà, c'est très agréable. N'invite pas Nicolas Villa, c'est... On l'a déjà fait. Ne l'invite pas, c'est pas mon copain. Je sais que tu déconnes. Tu vas voir le Nico quand il va dire ça, il va dire. Donc, je vais passer à Omar Da Fonseca. Après, qui c'est que je après, pourrais ça dire peut après, être, après, ça peut être aussi des joueurs avec qui tu t'entends bien et qui tu sais qui jouent le jeu. Ça peut être des consultants, des journalistes. Le basque, tu prends le basque, Jonathan Pereira. Prends le basque, Pereira, mon arrière latéral que j'avais à 3. Le basque, il travaille à Guingamp. Tu le prends, lui. Oui. D'accord. Et oui, il est génial.
Bon, par contre, je voulais qu'un entraînement qui se bouge un peu plus les fesses. C'était un super joueur. C'était un super joueur. J'étais toujours derrière lui, je dis bouge-toi. Mais par contre, super joueur. Tu prends le lui, voilà, deux. Okay. Et Omar Lafonseca. Et puis, qui c'est que troisième? C'est vrai, tu as un troisième commun que je pourrais. Donne-moi, tu pourrais. Je téléphone à Pep Guardiola si tu veux, je vais lui dire que. Non, mais sinon, mais si tu veux téléphoner à Bafé Gomis ou à Blaise Matuidi pour qu'il vienne, on est preneur, tu sais. Ah oui! Ah non, mais avec. Bafé, c'est un ami, hein, il le fera avec grand plaisir. Mais oui, en plus, c'est une personne. C'est une personne que. Que tu as formé que j'ai adoré. Aussi et que tu as fait partie des gens qui l'ont fait éclore. Oui. Ah, quand alors, il était contrarié. Je vais te raconter une dernière anecdote. C'est le mec, le type, ils vont tous raccrocher. On a un peu plus de fureur. Et Gomis, je lui ai dit, oh, quand il vient d'arriver à 3, il vient d'arriver, c'est l'année où on monte d'ailleurs en Ligue 1. J'ai dit, oh, ça déconne. À part être supporter à Saint-Etienne, on vous apprend à jouer au football. Putain, c'était contrarié. Alors, j'avais deux Stéphanois. J'avais aussi un. Damien Persis. Un grand. Après aussi. Non, Damien Perkis, il était chez nous. Il est parti à Saint-Etienne. Et j'en avais deux. Il y en a un qui l'a pris. Il y avait un Sénégalais, un grand qui était trop génial. Non, je ne sais pas comment il s'appelait. Lui, il avait pris avec beaucoup d'humour, tu sais. Mais Bafé, il n'avait pas du tout d'humour. Il avait mal pris. J'ai dit, Saint-Etienne, on vous apprend à être supporter, mais à jouer au football, pas beaucoup, parce qu'il ne jouait pas comme je voulais, tu vois. Mais Bafé, c'est un très bon ami, ouais. Je peux lui dire, si tu veux. J'adore. Écoutez, on fera ça. Moi, je voulais, avant qu'on parte, vraiment remercier toutes les personnes, hein, remercier Jean-Marc. Aujourd'hui, on a battu notre record de vues. Hein. On a été à 180, les amis, ça a été incroyable. Je n'ai pas les stats exactes en tête, mais merci à tous. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne. N'hésitez pas. Merci à... beaucoup. Ouais, parce que la tradition aussi, quand on se quitte, alors Leandro va dire au revoir, Sofiane dit au revoir, je dis au revoir et on te laisse le mot de la fin après. Okay, tu peux dire ce que tu veux. Tu dis de la fin ce que tu veux. Mais arrête. Mais et c'est hyper dur. Mais t'as le temps de réfléchir. On parle pendant ce temps-là. Jean-Marc, je sais que tu vas faire. Non, mais du coup, les gars, merci à tout le monde. Merci à Nikos qui a pu être avec nous en régie. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Désolé, on n'a pas pu faire toutes les questions. Mais du coup, avec Jean-Marc, si un jour il est chaud, on fera un épisode 2 avec grand plaisir. Pour fêter la montée. Et puis, ben voilà, je passe la main à Sofiane. Bah déjà, merci à tout le monde. Merci à vous, Jean-Marc. J'espère que vous allez monter en Ligue 1. On est tout défoncé, comme on dit. Merci au chat. Désolé pour les questions. C'est pas facile de prendre toutes les questions et les trier, etc. Et merci à Nekos, à mes camarades, bien évidemment, à vous. Et n'oubliez pas, vendredi 21h, on fait un petit live. De pas 21h, non, 23h débrief. À débrief, autant pour moi, vous voyez, je me fais reprendre. Donc 23h pour le de Lyon-Marseille, Lyon-Bordeaux, et merci à tous. Voilà. Donc merci à mes acolytes du soir, donc Leandro, Sofiane et Julien dans le chat, Julien en régie, pardon. Merci à tout le chat. Jean-Marc, je vais te souhaiter un gros merde pour ouais, le restant de la saison et puis pour le reste, pour tout, pour que la santé aille bien. Et je voulais juste te dire un truc tout simple et je m'arrête sur ça. Je t'envoie un gros cœur parce que je t'aime beaucoup. Voilà. Merci. C'est sincère. C'est moi qui ai le cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai envie de vous dire à tout le monde, vivement qu'on retrouve du monde dans les stades, qu'on partage tous encore des émotions dans les stades de football, dans les stades de rugby, mais dans les stades de football. Et puis je dis aux enfants, aux garçons et aux filles, jouez au foot, parce qu'on se régale au foot. On se régale toujours à taper dans un ballon. Voilà, jouez au foot. Merci beaucoup. Hein. Bon, les gars. Eh bien, on se retrouve donc tous vendredi 23h pour le débrief de Lyon-Bordeaux sur IceFoot. Passez une bonne nuit. Jean-Marc, bon appétit. T'as vu les mecs, ils débriefent pas Nîmes Olympique ou la GIA, ils font Lyon-Bordeaux. Voilà. Parce que les derniers temps, les matchs du Nîmes Olympique, c'est pas facile. Et les gars, n'oubliez pas, Sofiane, il va partir en live après. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Non, aujourd'hui, je pars pas en live. Non, pas en live. Je me repose. J'écris. Mais merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Allez, ciao.